suis en train de manger ma pâte à tartiner maison. Vous voulez la recette? La voici! Alors pour ça, il vous faut 125 g de noisettes, 80 g de sucre glace, 10 g de sucre vanillé, 25 g de cacao et enfin 25 g d'huile. Et vous rajoutez une pincée de sel. Alors pour cette recette, vous préchauffez votre four à 200 degrés, chaleur tournante, et vous enfournez les 125 g de noisettes pendant 7 minutes. Pour la recette, il vous faut un mixeur. Vous versez le tout, alors d'abord le sucre glace. Vous ajoutez le sucre vanillé. Ensuite, on va prendre le cacao. Et enfin, l'huile de noisette. Et vous ajoutez les 125 g de noisettes, tout droit sorties du four. On est reparti pour un tour. Une fois le mélange terminé et bien homogène, vous pouvez sortir votre pâte du mixeur. Bon, alors vous l'avez deviné, ce n'est pas un bon plan minceur, c'est sûr. Mais c'est tellement agréable de faire les choses par soi-même. À consommer avec modération, bien sûr. Si vous avez d'autres recettes, d'autres astuces, si vous voulez avoir tous les bons plans plein d'astuces maison, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook, Le Comptoir de la Débrouille. On échange tous nos bons plans. Salut !